tu viens de faire, Henri, une journée absolument incroyable. Est-ce que tu peux revenir en résumé sur les grandes étapes de cette journée et les émotions de toi et de toute l'équipe? Ouais, on nous avait prédit une très belle journée parce que je crois qu'on avait vraiment un lot de poulains super pour la journée d'aujourd'hui. Et voilà, et c'était une grande satisfaction toute la journée. On a vendu quasiment tout et c'était très émouvant de voir et nos associés et les membres de l'équipe très émus et contents et heureux d'être tous ensemble. C'était une super journée que je n'oublierai jamais. Toi, t'imagines que tu as la pression, mais tu dis toute l'équipe aussi a la pression forcément avant ces vents. Ah oui, ils ont bossé vraiment comme des bêtes pour essayer de faire en sorte que tous les petits détails soient réglés. Et je les ai vus souvent finir très tard le soir et dans la joie et la bonne humeur. Et toute l'année, c'est pareil. Je trouve que c'est quand même une grande chance d'avoir des gens comme ça autour de soi. Alors justement, vous êtes combien dans l'équipe ? On est 18 à l'année, puis il y a une équipe de 2 ou 3 qui nous rejoint pour la préparation des ventes. Et donc, c'est la construction de cet élevage, ce sera la dernière question, elle a commencé quand finalement? Parce que là, aujourd'hui, les Monceaux, on en parle depuis 3 ou 4 ans en tête des ventes, mais ça ne vient pas tout seul, ça a commencé quand? Ça a commencé il y a une dizaine d'années, quand M. Rano a acheté le haras des Monceaux. Et il a fallu tout mettre en place, reconstruire le haras, construire des bâtiments, acheter des juments, acheter des yearlings. Et voilà, donc c'est à peu près 10 ans. C'est très court. Oui, c'est court, mais j'espère que ça va durer très longtemps. Merci beaucoup, Henri. Bravo.